Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo qui va vous montrer mes fidget toys faits maison. Ils sont DIY, vous pouvez les faire sans aide, ils sont très faciles. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler français. Pour des amis qui sont pas de ma langue. Et je suis ravie de vous voir et je vais commencer à vous montrer mes fidget toys. Le premier, c'est lui que j'ai fait le premier aujourd'hui. C'est un squishy. Qui a deux côtés. J'ai trouvé ça mignon, les smiley. Et je l'aime bien, il n'est pas très difficile. Et il est ravissant. Le deuxième. Le deuxième que j'ai fait aujourd'hui, c'est une petite balle rebondissante faite avec des élastiques. Des petits élastiques. Je ne vais pas vous montrer comment ça rebondit parce que la caméra qui est derrière, elle ne marche pas. Désolée. Après, c'est mes favoris. C'est comme des ficelles, ballons. Ils sont collants et c'est comme des anti-stress. Et je crois que mon préféré de tous, ça doit être lui. Parce qu'il a une petite... En faisant le nœud, j'avais fait une petite boule. Et vous pouvez faire n'importe quoi avec. Vous pouvez les tordre entre vos doigts et vous pouvez les appuyer. Ah, ça m'a fait une petite boule. Et je fais très attention quand je les appuie parce que j'ai mis de l'eau et pour pas l'abîmer, bah je fais attention. Le deuxième que j'avais fait, c'était lui, j'en avais fait un plus petit. Et eux deux, je les ai fait en même temps. Et j'aime bien quand ils se collent comme ça. Ok. C'est fini pour aujourd'hui. Sur ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer d'autres fidget toys. Au revoir les amis. C'était chouette de vous voir.